Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Donc, je suis Benjamin Gosset, directeur France chez Aventio, donc logiciel de gestion pour la location saisonnière, channel manager et éditeur de sites internet. Beaucoup d'entre vous ont déjà participé à ce type de webinaire qu'on organise avec nos partenaires ou bien pour présenter un maximum de nouveautés, de fonctionnalités, d'informations sur l'évolution du secteur aussi, ce qui est particulièrement important étant compte tenu de l'année qu'on a traversée. Donc aujourd'hui, je suis très très heureux de pouvoir effectuer une présentation, un webinaire avec un de nos partenaires préférentiels, Olidou. Donc j'ai Camille Ichanjou avec moi qui est business développeur chez Olidou. Donc nous, on travaille avec Olidou depuis 2017. Et de la même manière, beaucoup d'entre vous ont déjà participé à nos partnership conférences qui se tiennent une fois par an et sur lesquelles on a déjà donc présenté Olidou dans ce cadre-là. Et que, alors, certains d'entre vous aussi ont eu la chance de pouvoir rencontrer Camille en direct. Donc là, maintenant, le direct est un petit peu plus compliqué. Donc, on essaie de trouver un maximum de solutions pour continuer de vous donner ces informations, ces formations en ligne. Je vais laisser Camille se présenter un peu plus en détail et démarrer ensuite sa présentation. Oui. Alors bonjour à tous. Oui, donc Camille Changeau, je travaille chez Olidou, je suis biz dev, donc c'est-à-dire que je suis en chargée de présenter Olidou, ben, comme aujourd'hui malheureusement virtuellement. J'accompagne les partenaires, je leur explique ce qu'est Olidou comme je vais faire aujourd'hui, mais j'accompagne aussi sur la partie technique, donc c'est-à-dire que si pour vous mettre vraiment en ligne sur Olidou, c'est moi qui prends le relais, on va dire avec les techniciens pour leur dire quoi faire et faire en sorte que tout se passe bien. Et voilà, donc je fais biz dev et en même temps, voilà, je vous accompagne en cas de besoin technique. Et je vais vous présenter ma presse, donc, concernant Olidou. Super. Je précise aussi, dans le cadre de cette présentation, vous pouvez poser des questions directement sur le chat. Donc, en bas de page, vous avez la possibilité d'entrer sur le chat et de poser vos questions. On abordera donc vos différentes questions, les doutes que vous avez ou des questions vraiment spécifiques à terme de la présentation. Alors, je vais vous présenter, donc, comme on vous l'avait promis, comment générer plus de réservations avec Olidou. Donc, un peu vous présenter en quoi consiste un partenariat avec Olidou et pourquoi Olidou reste un acteur pertinent malgré cette année un peu étrange pour le secteur de location de vacances. Et aussi vous donner quelques astuces si vous êtes déjà sur Olidou, comment optimiser votre visibilité et avoir plus de réservations. Alors, je me suis déjà présentée, donc je continue. Alors, tout d'abord, voilà, Olidou, si vous allez sur le site internet, Olidou, c'est ça. C'est votre moteur de recherche de location de vacances. C'est un nom qui n'est pas forcément encore très connu. Olidou, je suis habituée à ce que les gens voilà, ne soient pas forcément au courant de ce qu'on fait. Donc là, pour vous résumer, Olidou, nous comparons donc des offres de centaines de sites internet. Nous sommes par exemple connectés à Booking, Airbnb, etc. Et des agences en direct comme les vôtres via des channel managers comme Aventio. Et nous mettons en avant le meilleur prix et le partenaire qui nous envoie donc ce logement. Mais voilà, nous permettons aux utilisateurs de rechercher rapidement un ensemble d'offres sur plusieurs sites internet. Et notre promesse pour l'utilisateur, c'est de simplifier enfin la recherche et la réservation de la location de vacances idéale, que ce n'est pas forcément évident de trouver le bon logement au meilleur prix. Vous le savez mieux que moi que, par exemple, un même logement, ou même pour les agences, c'est difficile de s'y retrouver, de savoir à quel prix est mon logement sur plein de sites. Donc, côté client, c'est aussi difficile à faire rapidement. Donc, Olidou, on essaye de faire en sorte que l'utilisateur puisse trouver la meilleure location de vacances en moins de 5 minutes, au meilleur prix, car Olidou donne la priorité au meilleur prix. C'est-à-dire que si vous avez le même logement présent sur 10 plateformes qui sont connectées à Olidou, pour un prix identique, c'est vous que l'on montrera sur le logement. Donc, c'est votre nom, votre logo. Le client sait qu'il réservera en direct avec vous. Et la réservation est rapide et intuitive sur tous les appareils. Il faut savoir qu'Olidou, c'est un site internet, mais il y a 21 domaines géographiques et c'est aussi une application mobile qui est la troisième application tourisme téléchargée en Allemagne actuellement.
On est assez content de notre trafic mobile. On a 60% de nos utilisateurs qui viennent du mobile, et ça, c'est plus que la plupart des sites de réservation. Et notre site fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur mobile. Et donc, comme je disais, c'est 21 domaines géographiques et 10 langues disponibles. Il y a olido.de, .be. Donc, voilà, on essaie ainsi d'attirer le plus grand type d'utilisateurs. Et pour faire une petite histoire d'Olidou, donc on a été créé en 2014 par les deux frères Johannes et Michael Siebers, que vous voyez là en début de la frise. Dès 2016, on a réussi à atteindre 1 million d'utilisateurs mensuels, et c'est vraiment là où on a passé la vitesse supérieure afin d'acquérir, de travailler avec le plus d'agences possible. Et voilà, on a vraiment pu se développer à partir de 2016. Et grâce à cela, en 2019, on a réussi à attirer le soutien de plusieurs investisseurs. On a réussi une levée de fonds à hauteur de 40 millions d'euros. Donc, on est encore considéré comme une start-up, mais notre croissance est vraiment rapide et notre concept plaît autant aux utilisateurs Olido, qui sont, vous allez voir sur la slide suivante, qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi a pu attirer le soutien de certains investisseurs. Et ainsi, en 2020, Olido se place à la 4e place des sites de réservation de location en Europe. Donc ça, c'est en termes de réservation apportée. Car lorsque certains ont arrêté d'investir peut-être en marketing suite au corona, aux restrictions, nous avons continué à investir et nous avons une bonne visibilité sur Google. En fait, notre force, c'est d'apparaître lorsque quelqu'un va faire une recherche très précise, par exemple, location de vacances, juillet, telle destination. Et là, on va investir pour apparaître. Et c'est ainsi qu'on a pu avoir un très bon classement depuis cette année. Et pour vous donner quelques chiffres sur Olido, donc Olido actuellement, c'est 15 millions de locations de vacances, 25 millions d'utilisateurs mensuels, donc sur l'ensemble des domaines géographiques. On a pu ainsi avoir plus de 2 millions de voyageurs en 2020, pour ce qui représente 400 millions de chiffres d'affaires pour l'ensemble des voyages effectués. Comme je vous disais, on a réussi à être top 4 en termes dans les réservations apportées cette année. Et actuellement, nous travaillons avec 1200 agences comme vous, dont plus de 300 agences Aventio. J'ai regardé aujourd'hui, c'est 340 exactement. Et pour Aventio, depuis cet été, nous avons réussi à être troisième channel en termes de réservations apportées. Donc, c'est un chiffre dont on est très fiers. On espère se maintenir à ce niveau-là. Et pour vous parler un peu plus d'Aventio et Olido, comment fonctionne ce partenariat? Donc, Aventio pour Olido, c'est vraiment le channel manager avec qui on travaille le mieux, honnêtement. On est partenaire depuis 2017, je vous disais, 343 agences maintenant, 2300 réservations apportées en 2020 pour un chiffre d'affaires de 2,3 millions. Et depuis cet été, on a réussi à plus 95% du nombre de réservations en août. Donc, c'est vraiment là où on a pris la troisième place pour Aventio. On est devenu un channel sérieux, on va dire, pour Aventio. La troisième place, c'est quand même quelque chose. Et notre panier moyen est de 1 000 euros, quelque chose qui peut vous intéresser. En termes d'avantages techniques, via Aventio, la synchronisation des données est vraiment totale sur Olido. Si vous changez une description ou une photo, ça peut mettre maximum 24 heures à être à jour sur Olido, mais tout ce qui est prix et disponibilité, c'est vraiment immédiat. Il n'y a jamais de problème de surbooking via Olido. Le pire qui peut se passer, c'est que quelqu'un aille en page finale de réservation et au moment de réserver, on bloque, on dit « désolé, le logement a déjà été réservé », mais c'est vraiment le pire des cas. C'est un peu déceptif, mais on n'a jamais de cas de surbooking au-delà de ça. La connexion est fiable. En fait, Olido, vraiment, on affiche exactement ce que vous configurez dans Aventio, y compris les prix. Donc, Olido ne rajoute pas sur le prix client. Vous pouvez mettre des markups, vous pouvez configurer les prix que vous voulez et on va vraiment afficher ce que vous configurez. Donc, vous avez une totale transparence sur vos données sur Olido. Et on utilise PCI Wallet. Donc, si vous utilisez Sispay ou Stripe dans Aventio, vous recevrez donc directement une taille de carte bancaire via Olido. Donc, côté Olido, le client rentre sa taille de carte bleue chez nous et vous recevez tout ça directement via Aventio. Et un dernier point qui est bon à savoir, donc pas de rapport d'annulation à faire pour Olido. S'il y a une annulation, vous annulez l'option dans Aventio et automatiquement, on saura qu'il y a eu annulation. Vous n'avez pas plus de management à faire de ce côté-là. Et donc, quels sont les avantages d'un tel partenariat?
Donc, on peut résumer en disant que grâce à Lido, vous aurez plus de réservations et de visibilité. Mais en allant un peu dans le détail, donc tout d'abord, il n'y a vraiment pas de risque à se connecter à Lido via Avantio. Pas de coût d'intégration. Lido est un partenaire privilégié d'Avantio, donc la connexion est gratuite. Il n'y a pas de délai d'engagement dans le contrat. Vous vous connectez, on met tout en place. Si vous n'êtes pas satisfait, le pire qui peut se passer, c'est que vous n'entendiez jamais parler de Lido parce que vous n'avez pas de résa, mais vous allez voir les chiffres dans les slides suivantes. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de difficulté pour ça. Et le jour où vous voulez vous déconnecter, il suffit de vous déconnecter et c'est fini. Donc, via Avantio, c'est de la réservation instantanée, ce qui est pour nous vraiment le type de partenariat qu'on essaye de favoriser. Si vous allez là maintenant sur Lido, vous verrez qu'on a énormément de logements qui vont venir de Booking et d'autres sites en redirection. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de réduire au maximum. Donc, lorsqu'on a une agence en réservation instantanée, on va vraiment pousser sa visibilité par rapport aux partenaires qu'on a en redirection. Donc, vous avez en fait la visibilité maximale sur Lido grâce à ce système. Comme je vous le disais précédemment, vous aurez une visite de votre marque. Donc, lorsque le client va en page de réservation, en page du bien, il sait avec qui il réserve. Parce que nous, on aimerait en fait se présenter comme un moteur de recherche, mais aussi un comparateur de location de vacances. Donc, comme quand vous allez sur un comparateur d'hôtel ou de vol, vous savez qui est le partenaire avec qui vous réservez. Ben, chez Lido, c'est pareil. Donc, le nom du partenaire est toujours visible lorsque le prix est le meilleur ou égal au prix des autres channels. Et vous avez le contact direct avec le client au moment de la réservation. On est apporteur d'affaires vraiment pour vous, donc on ne va pas du tout dissimuler avec qui à réserver. Le client sait qu'il réserve avec vous et vous avez directement aussi les contacts du client pour organiser le check-in et le séjour. Également, vous avez une équipe de gestionnaires dédiée, bon, principalement pour les partenaires francophones, c'est moi. Et on a également un espace partenaire Lido qui est assez nouveau et qui vous permet d'avoir accès à vos données. On l'enrichit, il est assez nouveau, mais on l'enrichit tout le temps. Et pour vous donner des conseils, comment améliorer votre visibilité, vous savez votre nombre de clics, vous avez un récap des résas que vous avez eus. Voilà, donc c'est un espace partenaire. Il y a une section où vous pouvez poser des questions. Donc, on a construit cet outil pour essayer de vous accompagner au mieux. Et oui, Lido, c'est une entreprise technologique en pleine expansion. Donc, en fait, là, on est un peu moins de 200 là à Munich. Et on est la moitié des équipes, c'est des développeurs. Donc, si jamais vous avez des problèmes techniques, voilà, il faut les rapporter à moi et j'ouvre ensuite des tickets auprès d'un technicien. Mais on est vraiment à l'écoute, on est assez réactif au niveau technique car on a beaucoup de développeurs ici présents. Et ensuite, pour vous dire comment Lido peut vous aider à obtenir des réservations. Alors, tout d'abord, Lido en 2020, voilà, quelle demande pour la France? Donc, vous pouvez voir ici les zones qui sont les plus recherchées sur Lido. Donc, c'est vrai, là, on a énormément de demandes, tout ce qui est Provence-Alpes, Côte d'Azur. On a l'Occitanie qui se développe beaucoup, la côte atlantique, la Bretagne. C'est une grande année pour la Bretagne cette année. Et aussi, de plus en plus, on voit que le Nord-Pas-de-Calais se développe, on va dire vraiment, du coup, les contours de la France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, seulement 20% de l'offre sur Lido sur la France est en réservation instantanée. Donc, c'est-à-dire le type de partenariat que l'on peut avoir via Avantio. Donc, en fait, lorsqu'une agence va se connecter avec Lido, elle va vraiment avoir une belle visibilité car on a encore peu d'agences directes en réservation instantanée. Et donc là, vous pouvez voir où est-ce que nos réservations sont-elles allées cette année. Donc, ça a été, bien sûr, l'Allemagne s'est très beaucoup développée cette année car eux, leur confinement était assez restreint. Donc, ils ont pu encore voyager en Allemagne. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pu avoir 26% de nos réservations. Mais la France se classe ensuite à la deuxième place avec 20% de nos résas et c'est vraiment un marché qui se développe énormément. Je vais vous montrer par la suite que, bien sûr, là, cette année, c'était beaucoup les Français qui partaient en vacances en France. Mais pour nous, là, vraiment, la France n'est pas du tout un marché qui a décliné. Bon, malheureusement, l'Espagne, tout ce qui est Espagne, Portugal, UK, eux ont plus souffert voilà, de cette crise. Mais la France est très bien maintenue cette année. Et donc, pour vous parler un peu des effets du Covid cette année,
Bien sûr, voilà, ils ont eu nous, côté Olidou, on a vraiment pu voir un vrai impact sur le comportement des voyageurs, vous aussi, j'en suis sûre. Donc, pour la France, c'était 80% de voyages intérieurs, donc de Français qui partent en France. On a vu une vraie réduction des délais de séjour. Donc, normalement, sur Olidou, les clients qui partent en France réservent en moyenne 90 jours, enfin, ça c'était en 2019, avant le début du séjour. Ce délai est passé à 52 jours, et encore, c'est parce que, par exemple, on a les Allemands qui vont réserver au moins 8 mois en avance leurs vacances, donc on va dire qu'ils font monter la moyenne. Mais autrement, vraiment, c'est la tendance au last minute se renforce de jour en jour, voire vraiment, on a des gens qui nous appellent pour nous demander s'ils peuvent réserver pour demain. Enfin, voilà, c'est vraiment la grande tendance du moment. Mais voilà, nous, via Aventio, on peut afficher toutes les disponibilités que vous nous envoyez, que ce soit du moyen terme ou vraiment last minute, ça c'est tout à fait possible. Et comme je vous disais, les Français ont continué de voyager, mais préfèrent les destinations locales. Donc on a vu des nouvelles destinations de nouvelles destinations phares qui sont développées. Donc les régions qui étaient traditionnelles pour nous, c'était la Bretagne, la Bretagne, les Provences-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça, elles se sont maintenues, mais on a vu des nouvelles destinations. L'Occitanie s'est vraiment développée. On a eu beaucoup de demandes pour l'Ardèche cette année, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, l'Île-de-France, Lyon. Donc, c'est des nouvelles destinations qui se dessinent, mais on va dire que les grands classiques sont restés là. Et voilà, tendance pour 2021, une hausse du panier moyen. Donc, actuellement, j'ai comparé cette année, donc de janvier à novembre 2020, par rapport à la même période en 2019. Donc, le panier moyen a vraiment augmenté. Donc, on a 1 300 € versus 800 € pour la même période. Car je pense que voilà, les gens veulent se faire plaisir quand ils peuvent enfin voyager et réservent des plus gros paniers, finalement. Et un retour des voyageurs internationaux est vraiment possible. C'est quelque chose qu'on ne saura pas avant du last minute, mais 30% des recherches sur Olidou sur la France viennent d'utilisateurs hors France. Donc, ils continuent à rechercher, ils recherchent à 80% en mettant des dates. Donc, en fait, vraiment, la France reste attractive pour les pays frontaliers. Généralement, ce sont soit des Anglais, on a Anglais, Espagnols, des Allemands, des Belges, beaucoup de Belges. Mais ils continuent à chercher et ils cherchent beaucoup là pour décembre. Donc, peut-être qu'ils finiront par réserver, mais en tout cas, ils n'ont pas délaissé du tout la France. Et enfin, un troisième point qui peut quand même être positif aussi, c'est de dire que le secteur de location de vacances est vraiment en train d'absorber le volume des réservations du marché hôtelier. Donc, pour nous, c'est comme ça. Olidou, on a battu nos records de réservation cet été. On explique vraiment cela par ce report du marché hôtelier sur le marché de location de vacances. Les gens veulent des vacances isolées, entre guillemets. Donc, on pense qu'on a vu qu'après chaque confinement, les réservations sont reparties à des niveaux beaucoup plus hauts que la normale. Donc, on est vraiment très confiant sur une reprise, même là, en fin décembre, quand les gens décideront à réserver. Donc, c'est pour nous un des marchés en expansion dans lequel on investit. Pour l'instant, moi, développement commercial français, il n'y a que moi chez Olidou, mais c'est quelque chose qu'on réfléchit à embaucher. On est en train d'agrandir l'équipe pour intégrer les partenaires. La France est vraiment un focus pour nous et on n'est pas du tout pessimiste quant à 2021 pour le marché français. Je vais vous parler un peu pour ceux qui sont déjà sur Olidou, surtout, comment améliorer votre visibilité. Donc là, je vous présente un peu les 4 grands scores qui peuvent expliquer pourquoi votre propriété est à tel niveau sur la page de résultats de Olidou. Donc, le score d'impression, donc combien de fois les gens vont voir votre logement en fait, sur cette page. Le score de réservation, combien de fois un logement va être réservé. Score de disponibilité, si un logement n'a pas de disponibilité, bien sûr, il va être un peu caché parce que ça peut être déceptif pour l'utilisateur. Et enfin, le score d'annulation, si une propriété a été... Si une propriété dans une certaine région a un taux d'annulation au-dessus de la moyenne, également, le logement va perdre de la visibilité. Et pour rentrer un peu dans les détails et pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire du coup pour jouer là-dessus, donc bien sûr, le score d'impression des meilleures photos et un meilleur prix. Si vous êtes sur Olidou, mais que vous n'avez jamais le meilleur prix, c'est-à-dire que le meilleur prix est toujours Booking, par exemple, sur Olidou, l'appartement va apparaître comme étant un appartement Booking, car c'est le meilleur prix qu'on recevra. Et des photos, si la première photo est une photo de toilette, par exemple, vous n'aurez pas de clic. Le logement a beau être montré un grand nombre de fois, il n'aura pas de clic, donc son score d'impression sera mauvais.
Et concernant le score de réservation, donc bien sûr, description aide, avoir tous les coûts bien visibles sur Lidoo, aucun coût caché après la réservation, demander au client de finalement voilà, de payer un supplément. Et les deux points que j'ai mis en rouge, ce sont les deux points qui se sont vraiment développés cette année, c'est le moyen de paiement et les conditions de paiement. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les gens sont beaucoup plus sensibles. C'est vraiment quelque chose cette année qui joue pour la réservation. Donc, le plus de moyens de paiement possible et les conditions de paiement, bien sûr, actuellement, les gens recherchent de la flexibilité. On a certaines personnes qui nous appellent pour demander des conditions plus flexibles. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui est très présent cette année. Et en termes de disponibilité, le calendrier, comme je vous l'ai dit sur la slide précédente, voilà, le last minute est vraiment quelque chose qui est très important en ce moment et qui aide beaucoup dans la décision de réservation. Et enfin, le score d'annulation, donc si voilà, que le process de post-réservation soit le plus efficace possible, revenir vers le client lorsqu'il réserve et voilà, lui proposer des modes de paiement, s'il souhaite par exemple payer en chèque vacances, le proposer ou des choses comme ça, enfin, voilà, l'accompagner au-delà de la réservation. Et voilà, quelque chose qui peut vous intéresser. Donc ça, c'est depuis cette année, quelles sont les caractéristiques les plus recherchées sur Lidoo? Donc à 40 et 45%, ce sont les piscines. En fait, là, vous voyez parmi les filtres qui sont disponibles sur Lidoo, quels ont été les filtres qui ont été les plus utilisés. Donc c'est pour ça que le total peut faire plus de 100%, mais la même personne peut mettre plusieurs filtres. Donc c'est pour ça. Donc voilà, les piscines sont toujours un des filtres les plus recherchés. Également le pouvoir partir en vacances avec ses animaux, c'est vraiment quelque chose qui est très demandé, à savoir que pour Lidoo, si vous n'indiquez pas dans Avantio que vous prenez les animaux, que vous les autorisez, par défaut on va mettre que le logement n'est pas réservable avec animaux. Donc si vous les acceptez, c'est important de bien l'indiquer avant que voilà, vous passiez à côté de réservation sur Lidoo. On a vu vraiment une explosion de l'utilisation du filtre internet, parce que voilà, home office, télétravail oblige, les gens veulent partir en vacances mais finalement travailler d'ailleurs, donc c'est vraiment un filtre qu'on a vu très utilisé. Et assez nouveau également, ça c'est c'est assez curieux, mais la recherche de tout ce qui est spa et sauna on a 25% d'utilisation des filtres pour ceux qui ont utilisé les filtres cet hiver, depuis le début de l'hiver. Ça fait 2 mois que voilà, les gens recherchent énormément ce type d'appareil. Voilà, comme ça, maintenant, vous le savez. Et on a toujours une recherche, ça c'est resté assez stable, mais les gens continuent à utiliser et ça ne bouge pas, ça c'est vraiment stable. Donc, est-ce que l'appartement, est-ce qu'on peut venir avec ses enfants? Et encore mieux, est-ce qu'il y a du matériel pour les enfants, des chaises hautes, un lit bébé, des choses comme ça? Et est-ce qu'on peut garer sa voiture? Et maintenant, dans le concret, je vais vous parler de à quoi ressemble un partenariat Lidoo pour vous, agence, qu'est-ce que ça implique? Donc, voilà, une petite frise pour vous montrer comment fonctionne une résa de A à Z sur Lidoo. Donc, tout d'abord, voilà, le client va sur Lidoo, il voit votre nom, votre logo. Donc, ça peut permettre un temps, peut-être qu'il ne va pas réserver tout de suite, mais il se rappelle de vous, il peut revenir. Enfin, voilà, donc, au moins, il vous trouve sur Lidoo et vous avez une visibilité de choix, comme je vous ai dit, car vous êtes en réservation instantanée. Ensuite, il va pouvoir rentrer toutes ces informations directement sur Lidoo. S'il a des questions quant à la réservation, nous, on a un service client qui est là pour aider jusqu'au process de réservation. Donc, votre service client, il parle français, il parle espagnol. On a vraiment des représentants pour toutes les langues d'Olidoo. Et actuellement, c'est quand même un bénéfice d'avoir un service client. C'est une grosse équipe ici chez nous, parce que les gens se posent vraiment énormément de questions avant de passer à la réservation. Et donc, un service client peut éventuellement vous contacter et répondre aux questions. Lorsque la réservation est faite, il y a un email de confirmation qui part au client et qui part aussi à vous, l'agence, pour dire pour donner tous les détails. Et votre calendrier est automatiquement bloqué. Vous êtes en contact direct avec le client pour organiser son arrivée. Le client vous paye directement, donc soit par PCI Wallet, si vous avez une de ces solutions-là, ou alors vous pouvez mettre en place un mail automatique via Avantio pour lui indiquer la marche à suivre pour le paiement. Mais en tout cas, le client vous règle directement.
Ensuite, au moment du... après le début du séjour, au Lidou, on vous envoie notre facture correspondant à la commission. Donc, on a changé ça avant le corona. On avait certains agences où c'était au moment de la... après le mois suivant le début de la... enfin, le mois suivant la réservation. Maintenant, on a essayé de passer tout le monde à une facturation après le début du séjour. Comme ça, pas d'avance de trésorerie de votre part. Et si entre-temps, vous avez une réservation, nous, on ne demande pas de commission. Donc, comme ça, au moins, on n'a pas de... Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Et comment travailler ensemble ? Il y a trois grandes étapes. Donc, me contacter et vous inscrire sur l'espace partenaire Olidou, qui est un espace, comme je vous disais, pour vous donner des informations, pour vous permettre à vous aussi de changer certaines informations sur Olidou quand vous le souhaitez. Comme par exemple, vous pouvez basculer vos politiques d'annulation quand vous le voulez. Par exemple, peut-être que maintenant, vous aurez envie d'avoir une politique d'annulation plus flexible et la remettre normale plus tard. Là, vous pouvez le faire directement. Donc, il suffit que vous inscriviez sur cet espace. Je vous envoie un accord de publication. Donc, voilà, un contrat par signature électronique. Et dernière étape, vous activez Olidou comme portail pour vos logements et vous connectez vos logements. Et ensuite, c'est tout. En une semaine maximum, on revient vers vous au moment de la réservation test. On effectue toujours au moins une réservation test avant de vous mettre en ligne. Et comme ça, on peut vérifier ensemble que tout fonctionne bien. Et ensuite, vous êtes en ligne sur Olidou. Voilà les trois grandes étapes. Et voilà, maintenant, vous savez à peu près tout. J'imagine que vous avez sans doute des questions. Camille, merci beaucoup pour ton intervention. Il y avait des informations très intéressantes. Plusieurs choses, justement, que j'aimerais souligner et que tu as su mettre en avant, notamment... sur les évolutions de la tendance des consommations aujourd'hui des voyageurs, notamment français, mais aussi des pays voisins. Donc, ça confirme un petit peu ce qu'on a vu au niveau national. Et en tout cas, c'est vraiment intéressant de le voir de la part d'un partenaire, de le voir du côté du portail où véritablement on a ces données, on va dire, de manière un petit peu plus réelle. Voir vraiment l'évolution de la réservation last minute, ça fait déjà des années que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et que je me permets de confirmer aussi compte tenu des informations que nous on collecte évidemment via notre PMS, mais effectivement c'est une vérité, ce qui veut dire que en termes de logistique, ça implique vraiment une grande préparation pour être apte à gérer de la réservation qui vient en dernière minute, voire en ultra dernière minute. On en a parlé notamment la semaine dernière avec notre webinaire avec Romain Giacalone, consultant en location saisonnière sur le secteur. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à tirer aussi des données que tu as su donner, notamment sur les critères de recherche. Donc, dans les critères de recherche, il y a certaines, on va dire, thématiques, caractéristiques des logements qui ne dépendent pas que des professionnels et des agences gestionnaires des mandats, mais ce qui implique aussi à vous comme professionnel et agence du secteur d'impliquer davantage les propriétaires à prendre connaissance aussi de ces informations pour qu'ils puissent aussi s'adapter et faire en sorte que vous puissiez leur générer plus de réservations et donc une meilleure rentabilité pour vos propriétaires. Donc, c'est vraiment une démarche où il faut travailler main dans la main avec les propriétaires, main dans la main aussi avec vos partenaires portail et PMS. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de vous mettre à disposition à travers nos solutions techniques et cet accompagnement. C'est vraiment vous communiquer un maximum d'informations. Comme je le disais tout au début, vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat en bas de page pour qu'on puisse y répondre en direct. J'en ai déjà une en l'occurrence qui provient de Julien. Est-ce qu'il est possible d'avoir des annonces uniquement en réservation manuelle sur Olidou ? Alors, c'est vraiment avec Avancio, c'est de la réservation instantanée, mais il y a quand même une petite flexibilité. C'est-à-dire que nous, le client vous paye directement, donc par PCI Wallet ou juste voilà, vous revenez vers lui via un email automatique. Donc, en cas de problème, si vous voulez annuler cette réservation parce que voilà, finalement, il y a un problème, je ne sais pas, du propriétaire qui ne peut plus, qui n'a plus le logement libre, etc., vous avez quand même la possibilité, du coup, d'annuler l'option d'Inventio. Donc, vous avez quand même ce délai. Bien sûr, on vous conseille de revenir le plus vite possible à le client pour lui proposer une alternative ou autre, mais oui, vous n'avez pas obligé d'accepter la réservation. Merci, Camille. On va laisser encore
un petit moment pour évaluer s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions très concrètes de par déjà l'utilisation du portail ou de par les données aussi qui ont été partagées, n'hésitez pas. J'en profite peut-être en attendant qu'il y ait une autre question. Alors, j'en ai une. Savoir si Olidoo est aussi présent sur le marché suisse. Oui. Il y a olidoo.ch qui existe et ce n'est pas encore un de nos marchés les plus développés en termes de demande, mais non, c'est un marché qui se développe très bien, des très beaux paniers moyens venant de la Suisse. Et non, c'est quand même, on a des. Et on a actuellement, depuis peu, on a voilà, un biz dev comme moi qui est en charge justement de pousser ce marché. Donc, c'est, oui, c'est un marché qu'on cherche à développer. Concernant l'introduction que tu as pu faire aussi pour présenter Olidoo dans les grandes lignes, c'est vrai que pour une plateforme qui a été créée il y a quelques années et qui reste encore, qui peut être considérée comme un nouvel entrant sur le secteur, il y a une marge de progression qui est très impressionnante et que je me permets de souligner aussi compte tenu de notre position comme channel manager et travailler avec un grand nombre de portails et d'être sollicité aussi par beaucoup de nouveaux entrants. Il y a beaucoup de nouvelles plateformes qui se développent sur le secteur. La visibilité qu'apporte Olidoo et la marge de progression qu'ils ont en termes de visibilité et d'expérience voyageur en Europe, elle est vraiment impressionnante et ça tend vraiment à pousser encore à donner cette visibilité sur le marché européen. J'ai une autre question. Est-ce que Olidoo, c'est uniquement adapté pour des propriétés provenant d'agences ou est-ce que vous référencez des biens de particuliers? Non, on travaille que avec voilà que en B2B, donc vraiment que avec des agences qui via channel manager. Voilà, c'est un choix qu'on a fait de pas référencer d'offres de particuliers. C'est, on estime que c'est un autre cœur de métier. On ne travaille qu'avec des agences. D'accord. Je me permets de préciser aussi pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard dans cette présentation. La vidéo vous sera partagée avec une communication dans les prochains jours et la présentation de Camille vous sera également partagée directement par mail. Une autre question qui est la question évidemment à 1 million. Quelle est la commission appliquée par le portail? Alors, la commission Olidoo, voilà, je réponds sans détour, elle est de 15%. 15% sur la nuitée. Vraiment que sur la nuitée, donc Olidoo ne prend pas de commission sur les options, si quelqu'un va sélectionner du linge ou voilà, du nettoyage, etc. Donc vraiment que sur la nuitée sèche, et voilà, c'est 15%. Et vous êtes libre de mettre, comme vous l'avez dit, vous configurez les prix que vous voulez via Avantio. Nous, on ne prend rien sur le client, donc si vous voulez mettre en place un markup, c'est quelque chose auquel on est habitué, vous en êtes complètement libre, voilà. Mais voilà notre commission. C'est 15% hors taxe. J'imagine. Oui, d'accord, très bien. Non, voilà, on ne collecte pas la TVA sur le service. J'ai une autre question. Est-ce que le prix doit être plus avantageux que Booking.com, par exemple? Sinon, l'objet va être proposé via Booking.com? Il faut au moins qu'il soit identique. Mais voilà, pour un prix égal, c'est vous que l'on montrera sur le bien, donc votre nom, votre logo, etc. Il faut vraiment juste que le prix soit au moins égal. On a le temps de pouvoir répondre encore à une question ou deux. Quoi qu'il en soit, encore une fois, cette présentation vous sera envoyée par mail, par nos soins. Dans la présentation, Camille a précisé aussi son contact direct par mail. Donc, toute question qui vous vienne aussi à un autre moment, n'hésitez surtout pas à la contacter en direct. Elle sera voilà, même vraiment d'évaluer votre cas suivant votre localisation, suivant votre modèle de fonctionnement, des prix que vous appliquez et pouvoir vous orienter, vous conseiller à ce niveau-là. Oui, vraiment, n'hésitez pas. Par exemple, je sais que voilà, si jamais vous voulez savoir, un peu commencer par Olidoo, vous voulez savoir comment sont vos prix par rapport à la moyenne sur une localisation, nous, on a les données, on peut regarder. Est-ce que, enfin, vraiment, n'hésitez pas pour avoir plus de données précises. Je pourrais répondre à vos questions. C'est vraiment intéressant ce que tu soulignes, ce qui veut dire que Olidoo
se différencie, se distingue aussi d'autres plateformes pour avoir cette proximité aussi avec les utilisateurs, d'avoir cette analyse vraiment qui est réalisée sur le marché en direct et vous aider justement à avoir le meilleur positionnement possible. Parce que finalement, aujourd'hui, pour être vraiment, pour avoir une offre correspondante à la demande et surtout sur un secteur qui est aussi évolutif que le nôtre, ça demande vraiment d'avoir une visibilité complète sur ce qui se passe, comment ça évolue, quelle est la stratégie tarifaire la plus adaptée. Donc à ce niveau-là, de pouvoir solliciter justement un portail pour avoir ce type d'indication, ces indicateurs du secteur, c'est vraiment pertinent. Mmh. J'ai encore une question. Comment être sûr que ce soit des réservations incrémentales que nous n'aurions pas eues ailleurs avec Airbnb ou HomeAway si on est au même prix que sur ces sites? Alors, c'est quand vous travaillez, déjà, si vous allez sur Olidoo et que vous essayez de trouver là actuellement vos logements, par exemple, en vous disant, voilà, je suis sur Booking, donc les logements vont obligatoirement remonter sur Olidoo. Donc déjà, ce n'est pas sûr que vous retrouviez tous vos logements parce que bah, Booking ou HomeAway, vraiment, c'est des millions de logements. Donc pour être sûr que votre logement ressort quand quelqu'un fait la recherche, c'est vraiment pas garanti. Et ensuite, en redirection, donc Booking, HomeAway ont exigé voilà, de travailler avec nous en redirection, c'est-à-dire que vous cliquez sur le bien et vous êtes redirigé sur leur site. Donc, en redirection, on perd énormément d'utilisateurs et c'est pour ça qu'on aimerait avoir beaucoup plus de réservations instantanées parce que c'est mieux pour nous, parce que voilà, on garde l'utilisateur sur Olidoo, mais c'est aussi mieux pour vos propriétés. Parce que ce qui se passe, c'est que la grande majorité des utilisateurs, une fois qu'ils sont redirigés, certains arrêtent la recherche. Certains arrêtent la recherche parce qu'ils voulaient aller sur Olidoo pour comparer, ils ne veulent pas aller sur Booking directement. Et certains continuent la recherche sur Booking notamment, mais ils ont oublié Olidoo et ils ont oublié le logement qui les a amenés sur Booking. Ils arrivent là-bas et refont une recherche. Donc en fait, c'est sûr que vous allez augmenter votre nombre de réservations, vous aurez des réservations supplémentaires parce que vous aurez une bien meilleure visibilité sur Olidoo en fait. Je vais reprendre deux dernières questions. Nous travaillons déjà avec Olidoo. Est-ce que les utilisateurs disposent d'un accès extranet à Olidoo? Les agences, oui, en tout cas, peuvent aller sur le portail partenaire Olidoo. Donc là, vous verrez tous vos logements sur Olidoo. Vous pouvez changer votre politique d'annulation, votre contact pour le client. Il y a vraiment tout un ensemble de données disponibles et on est en train d'essayer de l'enrichir aussi. Donc, si vous avez des propositions, des choses pour vous qui sont vraiment manquantes sur le portail, n'hésitez pas à me dire. Je reprends encore une question de Denis. Quand on est à la fois sur booking.com et en direct sur Olidoo, est-ce que les fiches sont occultées sur Booking? Est-ce que Olidoo occulte la fiche de booking.com? Oui, il n'y a pas de. Si vous êtes sur les deux sites, votre logement, il n'apparaîtra toujours qu'une seule fois. En fait, Olidoo, on se débrouille pour ne jamais avoir de duplication, donc pour ne pas avoir le logement qui apparaît 10 fois s'il est sur 10 sites différents. Donc, on match les images, la géolocalisation, on sait que c'est le même appartement. Et en fait, par exemple, si vous avez deux appartements qui sont, on va dire, voisins et qui ont les mêmes photos, il n'apparaîtra qu'une seule fois, en fait, sur Olidoo, mais les deux appartements seront réservables. Donc, voilà, il n'y a pas de duplication sur Olidoo. Mais une fois que, si vous nous envoyez le meilleur prix, c'est vous qui apparaîtrez sur le bien, en fait. On arrêtera de montrer Booking pour ce logement. On va prendre la toute dernière question de Marc. Est-ce qu'il y a une assurance incluse dans les frais payés par le client? Non, Olidoo, on n'a pas d'assurance. Si vous souhaitez proposer une assurance, vous pouvez la configurer comme une option dans Aventio et elle remontera sur Olidoo, mais on n'a pas d'assurance Olidoo. Camille, un grand merci. On va clôturer la session de questions-réponses. Encore une fois, pour toute question supplémentaire que vous avez, ce n'est pas la dernière chance que vous avez de pouvoir en poser. Vous pouvez me contacter directement au sein d'Aventio ou alors Camille avec ses coordonnées qui seront mises à disposition dans la communication qui sera envoyée dans les prochains jours. Camille, un grand merci à toi pour cette présentation, pour ces données. Et effectivement, Olidoo est un très grand partenaire d'Aventio avec lesquels on a vraiment eu la chance de pouvoir donner une très bonne visibilité à beaucoup de nos utilisateurs. Et on n'a aucun doute sur le fait que ça va encore bien évoluer sur les années à venir. Mais merci à toi. Toujours ravi de participer à conférences et webinaires d'Aventio. Et oui, je reste disponible pour toute question.
Merci à tous et à très bientôt.